compris, nous sommes en direct de l'hippodrome du Lion d'Angers pour un événement unique au monde, Gabriel. Le Francirange-Ouloir-Challenge. What? Bien sûr. Francirange-Ouloir-Challenge, la meilleure course possible et imaginable devant une foule extraordinaire. C'est la nôtre, la course, c'est génial, c'est chez nous, c'est à la maison. Vous êtes à la maison, vous êtes chez nous. Alors vous allez vivre un événement formidable, un événement avec 15, peut-être même 20 000 personnes, avec des bières qui coulent à flot derrière vous et avec des champions. 10 champions, ils sont là. Venez avec moi, on va aller les voir. Je n'ai jamais vu Patrice Quinton aussi chaud. Il est chaud comme la braise. Et ici, nous avons Shawinigan. Shawinigan, est-ce que je peux me permettre? Voilà, voilà, il est là, Shawinigan. Et nous avons ici Patrice Quinton. Alors, on le connaît, le Patrice. Autant il est calme et tranquille chez lui, très serein, autant en course, il est tendu comme un string. Et là, il est en train de préparer. Alors, on va essayer de pas trop lui marcher sur les pieds au Patrice. Parce que là, il y a de la tension. Il n'a jamais été aussi chaud depuis New Rochelais, il avait remporté deux fois l'épreuve, en 2008 et 2009. On se met dans l'ordre du programme, parce qu'il va y avoir une présentation, un défilé. Et là, au niveau des entourages, ça commence à être très tendu. Admirez-moi tout simplement cette véritable peinture. Il est magnifique, splendide. Alors attention, hein, c'est un peu sous l'eau planante, il y a la tempête en dessous de lui, c'est pour ça qu'il a un bonnet. Et parce qu'il y a un cheval assez tendu, assez nerveux, qui est capable de se mettre à tirer. Alors évidemment, sur 7300 mètres, il faut éviter ce genre de blague. Mais regardez, il a le poil brillant, il a le poil soyeux, il est pleine peau et il n'a jamais été aussi près de sa vie. Là, nous sommes dans le pré-rond, mais les jockeys arrivent maintenant dans le rond de présentation. Alors, de gauche à droite, casaque verte à gauche, c'est Erwan Burler sur Côte Fleurie, David Cotin, le numéro 7. À côté, Alain de Chitresse, hein, du Bawil, numéro 6, avec la casaque verte, jaune et rouge. Johnny Charon, Butterfly du Moule, la casaque grise. Romain Julio, Espoir, avec une GoPro magique. Lucas Zuliani, avec la casaque Amon sur Harry Brown. Jean-Stéphane Lebrun, Shawinigan. Thomas Borin à sa droite, casaque bleue de Jean-Christophe Auvray, c'est Bingo Delaunay. Et tout à gauche, il est arrivé en dernier, le Léopold petit Benjamin Bréchet, du peloton. Hein. Léopold Bréchet, casaque cyprès de Vinga sur Avanea. Il fait à peine la taille du gamin qui l'accompagne. Voilà, c'est Léopold qui monte son deuxième en Ouloir Challenge. Le seul gentleman rider au départ, bien sûr. Et le jeune Arthur Neil qui arrive ici même. Bravo Arthur, qu'on avait vu remporter le premier grand cross de sa carrière sur l'hippodrome d'ailleurs du Pertre, avec une pouliche dont je ne me rappelle plus le nom évidemment, de William Menuet. Et ça chante. Et ça chante. Ça chante, les chapeaux commencent à voler. Il semblerait qu'il y ait de l'ambiance par là. Est-ce qu'il y a de l'ambiance par là? Ah bah ils sont beaux là. Jérôme Duchesne, Mathias Solier, les locaux de l'étape. Ah ça chante, ils sont beaux. Ils sont pas frères, hein, voilà. Les Angevins, sac à vin. Et alors voilà, dans le rond de présentation, messieurs, dames. Bah non, mais faut le dire, madame. Eh oui. Les Angevins, sac à vin. Admirez-moi cette foule. C'est absolument splendide. C'est toujours avec une émotion. J'ai du mal à dissimuler que je rentre et je vous amène avec moi sur la piste aux étoiles face à une foule immense qui nous rappelle les plus grandes heures des courses. Bingo Delaunay, donc récent gagnant du Grand Cross de Linière. Thomas Borin, Adrien Voissier, la GoPro magique. Deuxième GoPro magique sur Jean-Stéphane Lebrun, le vainqueur de l'épreuve préparatoire avec Shawinigan. Si impressionnant, Jean-Stéphane, il a une main en or. Et on espère pour lui qu'il gagnera aujourd'hui ce Francirange-Ouloir-Challenge. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est Harry Brown, l'invité de dernière minute. C'est son jockey, Lucas Zuliani, qui remplace Félix de Gilles, le neveu du premier lauréat de l'épreuve imposant. Il a gagné le Maurice Fouché, l'autre préparatoire. Il est absolument magnifique, tout comme Espoir d'ailleurs, monté par un homme, lui, qui est le plus titré dans cette épreuve. Romain Julio, 3 victoires dans les Francirange-Ouloir-Challenge. Et derrière, c'est l'habitué des lieux, le patron ici, Butterfly du Mou, 3 fois sur le podium de l'épreuve. Il est associé aujourd'hui à Johnny Charon, qui va tenter d'offrir au papy de 13 ans, en doyen de la course, son premier sacre dans l'Angeloir. Et attention, ils vont s'élancer, on va s'écarter, on va laisser passer Saint-Doubaoui, Côte Fleurie, Avanea, le numéro 9, Cap Maïsson, et enfin le numéro 10, Hermine Allen. Regardez-moi ce monde! Non mais ce monde, putain! Ça va où avant la dernière heure? Il y a 350 mètres de foule. Bon, on n'est pas non plus au Japon, mais enfin quand même, ça a de la gueule pour l'Anjou. Tout le monde est prêt à bondir. Et c'est parti
pour un Francir en Jouloir Challenge avec les commentaires de Mayol de Roux pour la première fois qui va commenter cette épreuve. Et Butterfly Dumou qui devait aller derrière, évidemment, va devant. C'était plus d'avance. Butterfly Dumou est en tête. Le numéro 5, Casa Grise, monté par Johnny Charon, le cheval de 12 ans. C'est bien entendu l'aîné de la course. Deuxième position pour Côte Fleury, numéro 7. Troisième, Bingo de Lonel, numéro 1. Quatrième, Harry Brown. Donc nous avons toujours Butterfly Dumou, tandis qu'on traverse ici les foins. Parce que pour on va se retrouver en position idéale pour admirer les chevaux qui vont descendre le piano juste en face et vont revenir à deux pas de nous pour faire un virage, un véritable angle droit. Alors les chevaux disparaissent ici. Tout est normal, ne vous inquiétez pas. Ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'ils sont partis dans la forêt, dans le petit bois. Pour une balade non point bucolique, puisqu'ils vont ressortir dans quelques instants vers la redoutable descente du piano. Ça descend, les chevaux dans l'an sont très aguerris, mais on voit que Shawinigan, Jean-Stéphane Lebrun, a été très prudent, il s'est isolé. Maintenant, on enchaîne directement avec un contre-haut. C'est pas un petit contre-haut, je l'annonce. Un contre-bas, et on pique à droite. Enfin, pour vous, ce sera gauche, évidemment. Aussitôt, regardez. Et hop. Ah, ils sont maniables, hein, ces chevaux de stack. Et revoilà donc Johnny Charon qui est toujours en tête ici avec Butterfly Dumou. Deuxième place pour Côte Fleury, Bingo de Launay, Harry Brown, Shawinigan. Nous avons ici Saint-Doubaoui avec la Kazakh bariolée, donc jaune, rouge, verte, qui débute en grosse. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Hermine Allen, Avanéa Patiente, Espoir également. Et Cap Myson monte dernier, Espoir. Romain Julio, triple lauréat de cette épreuve, sait qu'il n'a pas la première chance. Du coup, avec son expérience, il musarde à l'arrière-garde pour essayer de venir prendre un lot pour finir. Et il passe une première fois, enfin une deuxième fois en l'occurrence, mais la première fois dans ce sens-là, devant les tribunes, comble de, vas-y, fonce, de l'hippodrome du Lion d'Angers. Et ils vont sauter ce petit brook, le mur, pardon, qui est là. Derrière, il y a la banquette, on est un peu en contre-jour, mais bon, bah, c'est comme ça, il y a du soleil, on va pas pleurer non plus. Et ils vont revenir, ils vont disparaître dans le jardin du curé. Ils vont revenir pour un moment très très important. C'est la fameuse double croche. Alors il s'en est passé des choses à cette double croche. Parce que c'est un obstacle extrêmement technique, non point dangereux bien sûr, mais technique. Et il y a des chances qui ont été ruinées, des espoirs effondrés à cette double croche, que ce soit le premier ou le deuxième passage. Butterfly Dumou, tout l'instant, est en tête. Toujours devant Côte Fleury. En fait, les positions n'ont pas changé. Ils sont ici à un fossé. Et attention, Clément Lefebvre nous a dit qu'il valait mieux prendre la double croche au centre. C'est ce que fait à peu près l'ensemble des concurrents. Et ça passe, et ça passe, et ça repasse, et ça ne trépasse pas. Et ça passe impeccable dans cette double croche. Et là, on va suivre les chevaux d'extrêmement près. Regardez, admirez, vous êtes juste derrière le lot. Les chevaux traversent le Bullfinch. C'est un obstacle toujours assez impressionnant. Mais pour des chevaux d'une telle expérience, c'est pour eux, c'est de la roupie de Sansonnet. C'est quasiment du tourisme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas remonter, on est bien d'accord Laurent, ils ne vont pas remonter le piano. Ils vont passer ce petit contre-haut et ce petit contre-bas. Ils vont faire une grimpette et après un contre-bas. Oh la madame. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Là, tout le monde s'arrête. Je dois dire que c'est un petit peu... Attendez, je vais reprendre mon parcours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Laurent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, normalement, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire, là? Passer là. Passer là, sauf que là, c'était fermé. Ah la vache. Alors, c'est un peu particulier, parce que là, donc, en fait, c'est pas une dérobade, en somme. Parce qu'en fait, il y avait une liste, je vous explique, c'est la situation qui est un peu compliquée. Il y a une liste qui n'a pas été ouverte, parce qu'elle devait être ouverte ici. Regardez, c'est une liste, en fait, ça se voit pas, mais elle est amovible. Et donc, c'est une liste qui n'a pas été ouverte. Alors, la question, elle est-ce que la course va pouvoir être reprise ou pas? Alors ça, je n'en sais rien, je ne connais pas le code du course par cœur. Et on y retourne. Allez, c'est reparti pour l'Anjou-Loire-Challenge. Deuxième partie, on va peut-être pas mentir, on va peut-être pas couper au montage, hein, mais enfin bon, Butterfly Dumou, c'est comme ça, qui reprend la course, et en deuxième position, nous avons Côte Fleury, et nous avons le numéro 6, Saint-Douaoui, qui est troisième, devant le numéro 1, Bingo de Launay, et là c'est un moment très important, puisque c'est la chute, ah là là, la chute de Avanéa, aïe, 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 la chute de Avanéa, au Volpoum, tandis que là nous avons le franchissement
toujours très impressionnant. Du hop là, attention, écartez-vous les photographes, le franchissement du gué. Non, on va faire évidemment attention à Vanea. Alors donc toujours Butterfly du Moon, espoir qui s'est bien mis de sa petite faute. Shawinigan qui est en troisième position, qui pour l'instant avait attendu. Quatrième position pour Côte Fleury. Cinquième position pour Harry Brown. Nous avons Saint-Doubaoui à l'extérieur. Bingo de Launay attend devant Cap Myson. Et Amine. Oh, il a fait banquette! Oh, il a fait banquette! Oh, il a fait banquette, Butterfly du Mou, sur le grand fence. Et du coup, il n'est pas tombé. Mais il en a désarçonné, son jockey. Johnny Charon, Shawinigan est en tête. Claude Fleury en 3e position. Elle a fait un bond géant, mais ça passe très bien. La course commence à se décanter. Nous avons Shawinigan en tête. Il est collé au train par espoir. C'est pas possible que Romain Julio, avec un outsider, il nous ferait la passe de 4. Mais attention, Claude Fleury qui court à 8 jours. Elle est tout près. Nous avons Bingo de Launay et Harry Brown qui n'est pas loin. Et ça monte la double croche. Et ça descend la double crosse. Et Shawinigan est en tête devant Romain Julio avec espoir. Côte Fleury, elle est très très bien avec Erwan Bureller. Et Bingo de Launay qui, pour l'instant, ne s'est pas montré de la course. Il est quatrième, il est tout près. Attention, le gros contre-haut, faut pas se rater à ce moment-là. Ah là là, oui, Shawinigan y passe. Hein. Côte Fleury, elle a fait une petite faute. Et Shawinigan toujours en tête. Et espoir qu'il le colle. Romain Julio, il dit je vais la faire à la place de 4. Il essaie de lui prendre la corde. On se précipite. Côte Fleury, Bingo de Launay. Harry Brown est battu. Qui est? C'est Saint-Doubaoui qui est cinquième. Mais Shawinigan s'en va pour la gloire. Il déploie une gigantesque action. C'est un phénomène. Une révélation sur le cross. Il arrive comme s'il prenait un départ. Il va avaler ici, on l'espère pour lui. Les deux derniers OM. Mais attention à Bingo de Launay qui revient comme une balle en troisième position. Shawinigan, Jean-Stéphane Lebrun, Patrice Quinto, il était jamais aussi chaud depuis 15 ans, ça passe. Et Jean-Stéphane Lebrun va s'envoler vers la victoire dans le Francy-Ange-Loire-Challenge 2023. Mais attention, un Bingo de Launay qui finit comme un avion à réaction. Mais c'est Jean-Stéphane Lebrun sous les hurrahs du public qui va au bout. Bravo, je ne sais pas quoi dire. Comment ça s'est passé, Jean-Stéphane? Merci, bah du coup, comme vous avez pu le voir, on a été neutralisé, mais au moins ça lui a permis de faire un hit de découverte et bon, après top. Et toi, ton émotion? Bah j'étais un peu dans ma bulle du coup. Et ça court et ça galope. Showy pour les intimes. Shawinigan, élevé par Fabrice Simon, ancien responsable, le trotteur Fabrice Simon, ancien responsable des écuries de Jean-Pierre Dubois. Ah, on a retrouvé ses esprits, Patrice. Ouais. Alors, dis-moi, ça va mieux là, ouais. C'était, avec toute ton expérience, c'est toujours hyper tendu aux courses, il y a de quoi, non? Ouais, il y a de quoi, puis franchement, j'étais très, bah tu l'as bien vu quand t'es venu à la maison, j'étais chaud avec les deux. Ouais. J'étais franchement chaud avec les deux. Et Nuit Rochelaise, des années, 15 ans après, tu reviens, ça fait quelque chose quand même pour toi. Un petit truc quand même, on l'attend depuis un bon moment, puis c'est des super courses, il y a du monde, il y a de l'ambiance, non c'est franchement top. Vous étiez trois copropriétaires, écoute, racontez-moi cette émotion. Il n'y a pas d'émotion tellement c'est fort, c'est indescriptible quoi, on y croyait. Mais comme toutes les courses, il fallait courir et Patrice nous avait prévenu, dit, je vous jure, on a une vraie chance. Pour que Patrice nous dise ça, enfin, je crois que vous étiez au reportage, pour qu'il dise ça, on était un petit peu chaud bouillant. Voilà. Donc voilà, on l'a vécu, mais incroyablement, intensément. Quand ils sont repartis, c'est vrai que c'était pas évident, je me suis dit, putain, peut-être qu'ils repartent trop tôt, mais bon, ils sautent tellement bien que même sans forcer, ils prennent la distance, c'était facile en fait. C'est des moments inoubliables, hein. On vit ça peut-être qu'une fois dans sa vie. Et c'est ainsi qu'on va se quitter. Beaucoup d'émotions dans cette épreuve. On vous prépare des trucs super. Un best-of. Ça va pas être simple à le monter parce qu'avec le fait de course qu'il y a eu, va falloir qu'on raconte une sacrée histoire. Allez, à bientôt. Ciao, j'espère que vous avez aimé. Bye.